drapeau. Allez, on va applaudir les autres pilotes, les autres candidats. Le 59, Eric Mossoir. Le 87 qui était là aujourd'hui, Michael Rouault. Et puis les belles chansons qui sont encore peut-être sur le circuit. C'est l'avant-dernier départ du jour et on retrouve un pilote talentueux qui a remporté le Super Trophée de France à Verne-Tanjou l'année dernière pour l'édition 2011. Et bien il est en train de nous montrer qu'il est maintenant aujourd'hui avec toute la concurrence qu'il y a pu y avoir. Un homme qui maîtrise parfaitement la situation de cette catégorie. Deuxième, Michel Rossel, le numéro 22, encore un numéro 22. Troisième, il me semble que c'est David Buchon, le numéro 17. Et Eric le batteur, le vieux filou de la catégorie, a réussi à s'incruster. Allez Bibi, encore, ça y est, tout va venir. Et c'est sur Gardy qui est un petit peu la tête dans cette finale. Il a été un petit peu meilleur tout à l'heure lors des manches. Des deux manches qui l'ont emmené vers cette finale. Il était encore troisième au classement général tout à l'heure. Et donc là il est en train de perdre quelques points, quelques plumes. Mais regardez, devant un gars, le numéro 1 va avoir encore la victoire dans la poche. Pour Thomas Sommier, puisque le numéro 22 vient de se reporter à sa hauteur et qu'il est en train de le relâcher maintenant. Il est en train de forcer les attaques, il est en train d'essayer de s'infiltrer pour passer devant. Ah, il a remis un coup de gaz, il vient de remettre un coup de gaz Thomas Sommier et puis de reprendre une petite avance. Il en a remis un coup. Il en avait gardé un petit peu sous la gueulasse. Alors, si pour la victoire finale, pour le numéro 1, c'est à peu près fait, on va surveiller derrière que le numéro 17, David Buchon, eh bien, peut encore, lui peut-être aussi, essayer de semer le trouble et venir inquiéter pour le numéro 2 et le numéro 17 qui tout à l'heure s'était un petit peu porté à la hauteur de Michel Roussel, eh bien il va repasser à l'offensive dans cette portion du circuit. Voilà, c'est là qu'il est un petit peu plus performant. On retrouvera le calme et la sérénité dans la campagne de Ronsard-Pelon. Mais pour l'instant, encore un petit peu de bruit. Et encore un petit peu d'odeur d'échappement à se mettre dans les narines. Allez, maintenant, le bon geste, et bien voilà, victoire pour Thomas Sommier, le numéro 1. Deuxième, Michel Rossel, l'attaque numéro 22. Et troisième, le numéro 17, David Buchon. Et quatrième, passion, passionnant mais sûrement, Eric Lemasseur, le numéro 35, il est terminé en quatrième position, et logiquement, Christian Garrier, le 56, à la cinquième place. Voilà le quintet que je peux vous donner. Sauf erreur de ma part, dans cette finale des buggies. Voilà, je vous prends à applaudir le numéro 1 qui a gagné le Super Trophée de France l'année dernière à Verne-Tanjou, M. Thomas Sommier.